Ayant pour thème la promotion de l'entrepreneuriat dans la commune de Lokusa, réalisation, difficultés et perspectives de 2021 à 2023, la première audience publique de reddition des comptes de l'année 2024, conduite par le maire Dr Amavi Gervais Mpehuinu, assisté des conseillers communaux, du secrétaire exécutif de la mairie, des représentants de la société civile et des agents des services déconcentrés de l'État, s'est déroulée dans les arrondissements de Rouen et de Wademe Adja ce jeudi 16 mai 2024 en présence des sages et notables. L'objectif c'est de rendre compte des activités exécutées pendant 3 ans, 2021-2023, à la commune de Lokusa. Voilà pourquoi on est allé aujourd'hui dans l'arrondissement de Rouen et dans l'arrondissement de Wademe Adja pour leur dire de vive voix qu'est-ce que nous avons pu faire seuls et avec les partenaires que nous avons pour l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes dans la commune de Lokusa en général. Pour Norbert Gangbedi, premier agent au maire de Lokusa, ayant présenté la communication, entreprendre, c'est lutter contre la pauvreté et booster le développement. Il n'y a pas de perspective si on n'a pas évalué ce qui a été fait pour voir les gros étranglements et les niveaux où nous devons améliorer les approches et tout ce que de manière opérationnelle. Donc de là, nous avons vu que nous avons encore de perspectives et on voudrait inviter aussi les jeunes que avoir son propre business est possible. J'ai le bac, j'ai le master, tout ça là c'est bien beau. Mais ce qui compte au finish, c'est quelle était ta capacité à pouvoir se prendre en charge et à résoudre tes problèmes. Et c'est à cela que nous invitons les jeunes. Pour que la jeunesse ne soit pas synonyme de... Et on attend l'État central, on attend d'être recruté. Combien de personnes nous pouvons recruter à la mairie? Je ne crois pas une centaine, non. Puisque depuis 2020 que nous sommes arrivés, nous avons recruté 30 collecteurs de TDL. Nous avons envoyé des gens pour faire des enquêtes statistiques. Et je ne suis pas sûr que tout ça, là, l'un mis dans l'autre, et fait 200. Au-delà de ce que les partenaires nous accompagnent pour avoir. Donc nous voudrons saisir l'opportunité et demander aux jeunes de venir participer aux formations que les partenaires nous aident, que nous faisons et que les partenaires nous aident, afin qu'ils puissent se créer les opportunités d'une prise en charge réelle entrepreneuriale. Donc ce n'est pas facile. Mais avec beaucoup de détermination, je pense que les autres peuvent arriver, les jeunes peuvent arriver, puisque je ne doute pas un seul instant qu'ils ont la capacité, qu'ils ont le B.A.B.A., le background nécessaire pour créer des opportunités. L'élevage est là. Nous avons beaucoup de possibilités, puisque aujourd'hui, comme on le dit, l'État central dès fin 2024, début 2025, et va réduire tout ce qui est importation de produits carnés. Ça veut dire donc que c'est un énorme marché. Et nous devons pouvoir saisir ça, puisque c'est des milliards d'importations l'État fait chaque année. Donc si nous avons ça là, nous pouvons nous engouffrer. Nous voulons inviter les jeunes à s'engouffrer. Et le secteur qui est le plus pourvoyeur d'emplois, c'est le secteur agricole. Et quand on dit agricole, on ne voyait pas seulement l'exploitation, la roue et le coucou. Non,
nous avons énormément de possibilités. Sidérés pour le choix porté sur leurs compétences administratives pour cette première audience publique de reddition des comptes de 2024 dans la commune de Lokossa, les chefs d'arrondissement de Rouen et de Wedeme Adja se prononcent. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est la toute première fois que Rouen a accueilli la séance de reddition de comptes. Et depuis que nous sommes installés en juin 2020, c'est pour la première fois que mon arrondissement a abrité une telle activité. C'est une joie pour moi. Et j'ai constaté que les gens ont aimé. Les administrés qui ont pu faire le déplacement malgré la pluie, ils ont aimé surtout le thème. Pour la société civile, la mairie de Lokossa fait des exploits et mérite un soutien. C'est déjà une réussite et on a vu de plus en plus la population s'intéresse aux réalisations des élus. Et c'est déjà une très bonne chose. Et puis, surtout que le thème de la réduction concerne l'entrepreneuriat des jeunes et des populations de Lokossa, je crois que ça a intéressé plus d'un et ils sont sortis massivement. Ils ont apprécié aussi les réalisations et puis ils ont touché de doigt les difficultés auxquelles les élus sont confrontés dans la réalisation et des projets qu'ils mettent et qu'ils tentent de mettre en œuvre. Oui. La mise en stage professionnelle de deux jeunes artisans mécaniciens en France dans le cadre du projet Jeunesse 10, la mise à disposition des producteurs des plants de palmier à huile, l'accompagnement des femmes dans les AGR, dans la transformation des produits agricoles, l'accompagnement des relais communautaires, l'accompagnement des jeunes dans la production agricole, la diversification et autres sont entre autres des perspectives pour la promotion de l'entrepreneuriat dans la commune de Lokossa.